Jésus, oh Jésus, Jésus, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. J'abandonne tout, oh Jésus, j'abandonne tout. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons trouvé une source, la source intarissable. Nous manquons des mots, Seigneur. Quand nous nous trouvons devant la présence de cette source, nous buvons, Seigneur. Nous sommes étonnés de voir comment cette source ne se puise pas, de voir comment cette source ne se tarit point, mais il est toujours resté joyeux. Et ça rend notre cœur joyeux, malgré nos problèmes, malgré nos fatigues, malgré nos situations, malgré nos plaies, malgré nos maladies. Cette source nous console. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la source d'eau vive. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus encore pour boire à cette source. Oh Dieu, nous sommes venus fatigués, mais nous croyons en buvant, nous aurons la force. Nous sommes venus avec des problèmes. Nous croyons en buvant, nous aurons les solutions. Nous sommes venus avec des maladies. Nous croyons en buvant, nous aurons, Seigneur, la guérison. Dieu bien-aimé, descend et agite la source pour que nous sortions d'ici. Oh Dieu, avec les solutions. Seigneur, tu as résolu nous parler de cœur à cœur. Tu as dit, jeunes gens, tu as une responsabilité. Tu avais dit à William Branham, ne bois pas, ne fume point, ne souille point ton corps. Corps, quand tu grandiras, j'aurai une œuvre à faire vers toi. Tu nous as dit, jeunes gens, Seigneur, oh Dieu, vous avez vaincu le malin. Seigneur, tu nous as écrit une lettre d'amour. C'est pourquoi nous sommes encore ce soir pour écouter cela. Et Seigneur, agis au travers de ce que tu nous as dit. Prends le contrôle de tout. Écarte l'homme du chemin. Et parle-nous encore puissamment pour que nous puissions dire, nos cœurs, Seigneur, ne brûlaient-ils pas quand il était en train de nous parler? Nous nous attendons à toi. Prends la prédominance de tout. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre le cantique 263. Jésus, Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Jésus est mon sauveur, amen, je ne chancelle pas. Son amour et faveur, je ne chancelle pas. Qui le croit ce soir? Amen. Vous tapons nos mains. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour est faveur, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle, oui, je ne chancelle.
n'appelle pas. Nous chantons. Amen, je ne chancelle, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, oui, je ne chancelle pas. Oui, 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 je ne chancelle. Je ne chancelle juste comme un arbre planté près des eaux. Caché dans le caisse, amen, caché dans son amour. Oui, juste comme planté près des... Oui, 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 oui. Oui, je ne chancelle pas. Oh, gloire au Seigneur, ce soir, je ne chancelle pas. Amen. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Oui, 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 oui. Disons ceci. Si je le crois toujours, oui, il ne peut me lâcher. Oui, juste comme un arbre planté près des... Oui, oui, je... Oui, je ne chancelle pas. Gloire et alléluia. Oui, ancré dans Jéhovah. Juste comme un arbre planté près des eaux. Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, alléluia. Oh, gloire à son. Oui, oui. Oui. Jésus revient.
ton cœur. Oh, reçois-le. Alléluia. Oui, 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 tous mes soucis.
place. Alléluia. Oh, viens en ce moment. Jésus, Jésus. Où vas-tu passer ton éternité? Oui, 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 oui. Amen. Oui. Oui, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens. Oui, 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 oui. Amen. Oui. Ensemble à la fin. Oh, l'éternité. L'éternité. Où vas-tu la passer? Où vas-tu l'éternité? Oui. Amen, amen. Oui, l'éternité. L'éternité. Oh, Jésus, je veux être avec toi. Amen, amen. Oui, l'éternité. Amen. Où vas-tu la passer? Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse richement son serviteur. Nous laissons la place à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le sacrement de nous. Amen, Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et nous allons lire donc dans le livre de... Excusez-moi un peu. Le livre de, d'Exode chapitre 7. Pourquoi cela Moïse n'a qu'à penser à dire? Exode chapitre 7, nous allons lire depuis le verset 10. Pourquoi cela Moïse sans moi dire, parce que tu as lancé la commis. Il est écrit. Il est écrit à Kusunama. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Aaron losa kankawayan matoa la Pharaon. Et devant ses serviteurs. Namatoa la bisadia yandi. Elle devint un serpent. Kawakuma kanyoka. Un Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Pharaon bokilaka bantoa ndanduenga na banikesela. Et les magiciens d'Égypte et aussi. En firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges. Et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. On va prier le Seigneur.
Glorieux et tendre Père Céleste, puisses-tu bénir ces instants et bénir ton peuple réuni ici. Donne-nous le conseil de Dieu. Les temps sont tellement avancés pour nous. Aide-nous à nous perfectionner par ta parole. Mets l'homme de côté et que toi-même tu parles au nom du Seigneur. Le Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas, le frère Ngoma, il est venu. Viens frère, juste tu vas prendre 5 minutes pour donner un peu ton témoignage. Un témoignage vibrant, juste 5 minutes, tu vas faire un peu... En résumant juste le témoignage là. Je crois que quelqu'un aimerait entendre ce témoignage. Pourquoi vous aimeriez entendre? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que je peux entendre un amen? Shalom. Shalom. Je m'appelle Ngoma Célestin. En gros, la vie que moi j'ai traversée, c'est une longue histoire. Na bunene luzi mume sabuka kele di solo yatama. Moi j'étais méchant. Muvanda ka mutoyim timayimbi. Un homme qui aimait beaucoup de femmes, la boisson. Bakala vanda zola ming bakento pe na malafu yangolo. Et en plus, Dieu a fait à ce que Diaka, je me retrouver ici là. Nzambi salaka te mukwisa kuvanda awa. Par le canal de la santé de mon fils. Nanzila ya mavimpi ya mwana muni ya bakala. Mon fils est tombé malade pendant 8 mois. Mwana ya bakala zwa kabimbevu na ngonda nana. Les 8 mois, franchement, ça m'a poussé c'est-à-dire de faire de n'importe quoi. Bangonda nana ya nataka muna kusala mambo ya kidi kidi. Oui, 9 hôpitaux. Ba l'hôpital Ivoa. 9 églises que moi-même j'ai traversées. Ma bundu Ivoa munu musimu kwenda kakota. À l'hôpital, on me dit il faut amener ton enfant à l'étranger. Pe na l'hôpital ba tuba na muno ya lunga nge na tamwa na nge na bwala bonzenza. Soit en RDC ou encore en Europe. To na RDC to diaka na Europe. Franchement, je n'avais plus rien. Plus de 4 millions que nous avons dépensé avec les enfants. Na buteleka ki mavanda ka diaka fe. Ko luti la 4 millions beto basisaka ki ntwa na babana. Je me retrouvais plus. Mavanda ka linda diaka fe. Fondation Arc-en-Ciel, 325 000 francs par jour. Le Koutaka n'a pas beaucoup la Fondation Arc-en-Ciel. Baba s'est vendu 325 000 abna l'ombre aussi. Erreur, 325 5 jours. Pe Nzimbane, 325 n'abi l'ombre tano. Un mois, ça te fera combien? Tanga tete, Nangonda Mossi, yake salange yikwa. Les Coréens, 10 000 francs par jour. Un mois, ça te fera combien? Nakisika ba Coréen. Lumbo mosi 10 000. Nangonda mosi. 8 mois. Yakesela ngaye kwa. Naba ngonda nana. Je n'ai pas pu. Moulenda kafe. Bamenat mounou. Naba. Faux binzambi zambi. On m'a conduit des sectes, les faux dieux. Mes enfants me disent, papa, nous là-bas, on ne peut pas partir. Babane metuba namuno papa beto kuna dikulu beto tulave. J'ai un enfant qu'on appelle le frère Maricel. Mwana mwana nabake bokela ka pangi Maricel. L'enfant me dit papa si le Dieu que nous prions nous peut guérir ton fils. Mwana metuba namuno papa nzambi ni beto sambila beto. Jure-moi que toi tu dois servir notre Dieu et maman. Zengande fika nzambi na niakisa mwana ngeti. Moi j'ai dit à mon fils, arrête-moi ces histoires-là. Il me dit, papa, jure-moi seulement. Je l'ai dit, que ça soit ainsi.
Mes frères et sœurs, là où je vous parle, mon fils, pas d'opération. Aujourd'hui là, je l'ai appelé. Il était parti au village. Il est parmi nous ici. Le 16, c'est le premier jour que moi je suis arrivé ici. Je suis venu avec mon petit de 10 ans. Il s'appelle Barak Abednego. Une sœur qui arrive chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était venue faire là-bas. C'est ma fille qui va lui dire. Et la sœur, on dirait que toi tu pries avec nous. La sœur l'a dit, moi je prie à Rouge. Rouge-gorge. Ma fille Ruth est allée l'embrasser. Et à la fin, la sœur là va dire, mais j'entends parler les frères Shadrach, frères Meshach, donc vous êtes tous à Rouge-gorge. Moi, j'ai dit non, maman, non, sauf moi. Moi, c'est la boisson, les femmes, en plus, chapelle des vainqueurs. Mununzi la munu malafu ba kentompe chapelle des vainqueurs. Mon fils Maricel, dès qu'il nous avait réunis. Mwanya munu Maricel tanga yivukisa kabeto. Nous avons tous prié pour son frère. Beto nous sambila ke nampanga yandi. Le 31. Ngonda dulumbu ya 31 décembre. Décembre. J'appelle mon fils au nom de Segon. C'est mon enfant Shadrach le malade qui me dit, papa, moi, nous sommes chez le pasteur. Je me dis, comment? Quelqu'un qui est malade? Mon enfant ne pouvait pas se mettre debout. Il ne pouvait pas s'asseoir pour manger les urines, tout. Nyonso allongé, kisika mosa kulala. 9 8 mois de douleur intense. Ngonda nana eba mpasa kutila. Il faut vendre les parcelles. Longa kutekisa le pango. Pas de clients. Tike vandave. À la fin, na masukina. Je suis arrivé ici le 16. Mukumaka wa le 16. La parole qui était sortie, diambanza basika lumbuina, c'est le roi télé. Le roi télé. Roi télé, Ndekeina. En tout cas, là où j'étais assis. Donc, c'est quoi? Donc, c'est mon fils qui est venu dire chez le pasteur. Ni moi, Namounou Maricel, mon père va arriver ici, là. Donc, il faut lui dire que c'est lui le roi télé. Ni Yandi Moutouke, roi télé. Parce que 9 églises. Samou. Mabuntu Ivoire. Égale mes 9 générations. Il y a que le Moutin ba. 9 hôpitaux dans l'hôpital Ivoire que j'ai traversé avec mon fils. Il m'a coté dans mon amour. 9 générations. Bamban de Ivoire. Donc ce qui revient à dire que mon fils va guérir. Il y a cela zone à témoin d'amour Kenyaka. C'est pas la fille là qui m'avait invité là. Il y a que moi d'amour là que il y a moi qui tout bokila mon. Il m'avait dit que papa il faut venir à Rouge Gorge. Il y a ce papa ngue farakus dans Rouge Gorge. Bon, que ce soit ainsi. Il y a vente d'amour tinduna. Je repars à la maison. Mais vous tout canaïzo. Le 31, l'enfant était ici. 31, moi d'avant d'Akawa. Il repart à pied. Yen mais vous tout canaïzo. Je demande, mais comment est-ce que vous avez fait pour venir? Mais il faut la mais où est mon petit monsieur dans la coquille? Dans le taxi. Mais mieux que dans le taxi. On me dit non. Ma maison d'avant. À pied. Namakulo. Je murmurais. Mon vannani ongu tenatima. Moi-même seul. Mon homme aussi. J'ai dit à ma femme, mais on a tu as vu l'enfant, il était à l'église, il est venu à pied. Ça c'est un problème. Le 3, dimanche, donc 5h du matin, je m'apprêtais à me laver. L'enfant déjà, il était déjà le premier à la douche. Moi, je vendais tête à la douche. Quelqu'un qui ne pouvait pas soulever même 2 litres là. Moi, nous ta 2 litres ça. Ça c'est un problème. Ya imamba kaka. Nous sommes arrivés. Bete mekuma. Papa, moi, j'achète mon bic. Papa, moi, que sumba. Mon stylo.
C'est bika mono. C'est quand est venu aussi nous rejoindre. C'est comme kuza fuka na pena beto. C'est comme me dit papa on précède. C'est comme eux autres papa parce que t'es qui là. Il dit il est convalescent, on doit l'attendre. Il y a quelqu'un dans moi coubé la fille peut-être fini là. Celui qui est malade, il est venu, celui qui nous a amené encore. Il y a un autre là qui me veut me cuise mentoile maintenant ta beto. Et guéri. Hier moi na mundo menyaka. Là où je vous parle, les parcelles que j'allais vendre. Si kamona soza balopan ko musola te kisa. Les parcelles sont là. Balopan ko tete kuna. Un colonel qui m'appelle, le colonel Pobat. Colonel Mose Bokela, mon colonel Pobat. La semaine passée. Semaine Lutaka. Yaya. Yaya. Je dis oui, Yaya. Mozotele Kampangi. Comment la santé de, la, de l'enfant? Wa mutima vimpi ya mwana. Je lui ai dit, l'enfant ça va bien. Mais c'est mwana quel emboté? Non, Yaya, qu'est-ce que tu me dis là? Veyiki, yingi na zosa. Mon fils est guéri. Ve mwana mwenyaka. Je dis Yaya. Mais zosa, Yaya. Pas me dire ça. L'enfant est guéri comment? Mwana mwenyaka wa mutindu. Yaya, je te dis, mon fils est guéri. Et moi, dans ce aussi, la gueule, moi, dans mon nom, Nyaka. Qui l'a guéri? Nani me Nyaki, ça y a dit. Moi, je l'ai dit. Mais on a dit. C'est Dieu qui l'a guéri. Il y a que les ensembles, mais Nyaki, ça y a dit. Ouasika. Moi, je l'ai dit, il y a une église qu'on appelle Rouge Gorge avec le pasteur Lifoko du ciel. Il y a un adibou, parce que Bokana Rouge Gorge, la pasteur Lifoko du ciel. Le pasteur Pobat m'a demandé le numéro du pasteur et je l'avais donné le numéro. Colonel Pobat Lombak Mupesayan Memory en vous qui peut m'appeler. C'est pas possible, c'est incroyable, mais c'est vrai. Yalenda Salam m'avait cancer qui a tenu ça. Ça, c'est un grand témoignage. Yaka Kimba pour la santé de ton fils. Il y a ma vie, puis il y a moi dans mon nom. Et là où je vous parle là, tu as mon associé la Beno. Mon fils monte même jusqu'en haut là. Moi, je suis un nakati na balcon à Zoulou. Le huissier. Bilan de Mokengi. Le huissier Remi. Bilan de Mokengi Remi. Nous a visité à plusieurs reprises. Vous attendez la bête Bambala Mingi. À l'hôpital. Na l'hôpital. Et même le premier jour qu'il avait vu l'enfant. Ataluba teta tala mwana. Il m'a dit. Ya tu bila mono. À la maison bien sûr. Na yizo butedeka. Il me dit. Ya metuba. Ah c'est celui-là qui était malade. Ya dinyele banda kimbevo. Il m'a dit oui. Mais on za teleka. Il m'a dit gloire à Dieu. Mais on za kembo na zabe. Là où je vous parle. Ah voici comment na zosi la beno. Moi et ma maison. Servir à Dieu à Bertes a dit dans Zambie et à Alléluia. Amen. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas les quelques jours que j'ai fait ici. Même prendre encore l'alcool, je n'arrive pas. C'est ça le vrai témoignage. Tu as dit que le jeune frère, il est venu. Il est là. Où est-ce qu'il est? Ah. Je te remercie bien pour descendre. Ils étaient venus à la maison. On avait prié. L'opération, on dit qu'il ne faut que ce soit l'Europe. Notre Dieu l'a fait sans cicatrices. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Est-ce que tu. Oh, pourquoi tu n'acclames pas? Alléluia. Amen. Voilà. Niandi. Debout. Yakuté là-bas. Sans cicatrice. Attends, que le nom du Seigneur Jésus-Christ Christ. Soit acclamé, loué. Merci Seigneur. Merci. Matondo. Que Dieu te bénisse richement. Vas-y. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il disait, tous mes enfants sont dans ton église. C'est seulement moi-même qui ne venais pas.
Donc là, le témoignage des enfants. Awa, kimbangi ya babana. Comment l'enfant 9, 8 mois. Wa mutil mwana ba ngonda nana. Des millions de millions. Ba millions na ba millions. Et qu'on dit non, il n'y a pas d'espoir. Mais l'enfant, quand ils sont venus, l'enfant croyait. Il dit, le Dieu que nous servons me guérira. Amen. Amen. Et quand papa les cherche à la maison, les gars étaient ici à l'église. Et quand ils repartaient, c'est là où papa l'a dit, mais toi tu es où? Il dit, j'étais à l'église. Tu es parti à l'église comment? À pied. Et je reviens à pied. C'est là où même le colonel a pris mon numéro. On va se voir, il va me demander, qu'est-ce que vous avez fait? La parole faite chair. Le poteau d'attache. Poteau d'attache. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, allons-y un peu, on retourne dans ce que nous sommes en train de parler des choses qui concernent le temps dans lequel nous vivons. Moi, je me sens très très bien et à l'aise de prendre ce qui a été dit et de vous le donner. Et surtout de vous le donner pour que vous-même, vous ayez un jugement clair. Vous voyez, quand je vous disais le dimanche que je crois avec les éléments de la parole, non pas seulement parce que moi-même je veux croire, mais avec les éléments de la parole, et la sixième vision est déjà accomplie. Non pas parce que je le veux, mais parce que ça nous a été demandé de croire. Et ce n'est pas de croire sur les pensées d'un homme. Et nous avions vu que le pouvoir actuel aux États-Unis, c'est vraiment le pouvoir du mal. Et nous avons vu qu'en Éden, pour que le diable entre, il utilise une femme. Alors cette femme au pouvoir et la voie d'entrée par excellence pour l'église catholique, non pas l'église en tant que bâtiment, mais l'église en tant que mal, le principe spirituel. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est sans précédent. Je vais vous montrer quelque chose là. Je vous montre celui que notre type ici a nommé le ministre de la Santé. La pédiatre, donc elle se nomme pédiatre Rachel Levine. Vous pouvez mettre sa photo. Rachel Levine. Rachel Levine. Vous avez ça sur le dossier même des prédications de Rachel Levine. Vous la voyez? Un peu, bon c'est vrai. Elle est là. Ça c'est la ministre de la Santé que Joe Biden a nommée. Mais en fait ce n'est pas une femme. C'est un homme qui a coupé ses organes. Oui. Elle est mariée à un homme. Tu peux nous mettre un peu. Le ministre de transport. Ministre de transport. Il s'appelle Boutelieg. Monte un peu. Non, non, pas celui-là. C'est celui-là, le ministre de transport. Il y a un ministre de transport. C'est un homosexuel. Il y a qui homosexuel?
Le jour où il a prêté serment, il a amené même son mari. Allez sur internet, vous allez voir. Pendant qu'il était là devant le congrès, en train de parler, il a même dit, I'm very proud because my husband is here. Donc il dit en anglais, je suis très content et fier parce que mon mari est là. J'ai dit, c'est sans précédent. Les porte-paroles à la Maison Blanche. Porte-parole à la Maison Blanche. Monte un peu. Naka Fioti. Non, non, tu descends, monte. Naka, yiningena kulumuka. C'est celle-là. La fille noire là. Avec sa femme ou son mari, je ne sais pas. Naka tu antobakala ni pekusa bafe. Lesbienne. Lesbienne. Le chef du bureau. Descends maintenant. Voilà, Carlos Elizondo. Carlos Elizondo. C'est un homosexuel aussi. Il y a qu'un homosexuel, pays. Donc, c'est des choses sans précédent. Il y a qu'un membre de Salamate TV. On n'a jamais vu ça. Abu Nutete Batala Yahou. Alors, les origines, quand on tire les origines, pour savoir qui est celui qui facilite ces choses, ces nominations et tout, c'est Kamala Harris. Ni Kamala Harris. Elle porte le nom, donc on l'appelle The Gay Friendly. Donc, ça dit en anglais, c'est celui qui est l'ami des gays. L'ami donc officiel des homosexuels. La femme là que je vous ai montré, Catherine Jean-Pierre, elle travaillait dans son bureau avant d'aller maintenant à la Maison Blanche. C'est elle qui les a amenés. On n'a jamais vu de choses comme ça. C'est sans précédent. Alors que vous savez comment on a bâti les États-Unis. Les États-Unis, c'est comme Israël. Je m'explique. Comment est-ce que les États-Unis sont comme Israël? Vous savez comment Israël a été bâti? Ils ont été en Égypte. Ils ont été des esclaves. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous la conduite de Moïse, ils ont traversé. Ils arrivent dans le pays où règne la liberté, où le lait et le miel coulent. Et c'est là qu'ils sont partis adorer le Dieu de leur père. Parce qu'en Égypte c'était difficile d'adorer le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Vous vous rappelez quand Moïse se présentait devant Pharaon, chaque fois il disait, laisse mes frères partir faire quoi, manger, adorer. Donc ils avaient un problème d'adoration, non pas un problème de manger parce qu'ils mangeaient quand même. Il y avait un problème de liberté. C'est comme ça qu'en Europe il y a eu un flot de l'église catholique, où toute l'Europe était sous l'emprise de l'église catholique. C'est comparable à l'esclavagisme de l'Égypte. Tout le monde doit adorer le credo et le dogme. Comme Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et aussi, ils ont quitté l'Irlande. Ils ont quitté l'Angleterre. Ils ont quitté l'Italie. En d'autres termes, ils ont quitté l'Europe. Cherchant là où ils peuvent adorer Dieu dans la liberté, parce qu'ils étaient des protestants, ils croyaient pas dans l'église catholique. C'est comme ça qu'ils traversent. Et quand ils arrivent, donc
C'est exactement comme Israël. Quand ils arrivent, ils trouvent les Cananéens. Et ils devaient se battre pour chasser ce peuple afin d'occuper le pays. Et aussi, quand ils arrivent, ils trouvent des tribus indiennes. Ils devaient les chasser pour occuper le pays. C'est vraiment Israël. Spirituellement. Donc, ayant bâti leur nation sur des principes protestants, donc c'est incommensurable, c'est-à-dire c'est impensable, même pas infaisable, qu'un homosexuel deviennent un ministre. Il y a des coups, ma ministre. C'est comme ça que leur père, on les appelle les pères de l'indépendance. George Washington. Washington. Ils étaient un peu nombreux. Avant moi, ils ont écrit la Constitution. Et parmi les premiers articles de la Constitution, ils disent, in God we trust. En Dieu nous croyons. Et on prête serment sur la Bible. Donc Dieu en tout et en tout lieu. Dans les écoles. Vous ne pouvez pas commencer les cours sans prier. Même dans leur Sénat. Il faut prier. Ils avaient mis même une chaise vide. C'était la place de l'invisible. La place de Dieu. Mais petit à petit. Malembe. Cette église Dibundu. Que eux ils ont fui. Il a pas ou pas qui maka. Viens le pourchasser. Mais qu'ils allent d'abord. Le premier président catholique, voilà pourquoi Branham dit que Kennedy n'était là que pour une petite acceptation. Kennedy vanda quand le gars qui ne m'a qu'une division m'a fioti. Donc pour que ça devienne quand même une habitude. C'est ma coupe ma barbe ça que mes sana. Que on peut quand même avoir. Et peut-être l'état sans moi n'a coûté là. Un président catholique. Ma foi lui est la catholique. Parce que dans leur loi. Ça me met sur quoi y a pas où. Le catholicisme ne peut pas venir. Même vous catholique là qu'avant d'avoir. Les choses qu'on est en train de voir là. Mambouya ibete natala. Ministre de la santé. Ministre de la santé, ya ma vimpi. C'est grave. Mambonene. Celui qui va s'occuper de la santé. Ya ni mukeba kwambote ma vimpi. C'est un homme au départ. Ya ke le bakala na madukulu. Et ce qui fait très mal, c'est que c'est une juive. Il a que la salam pas si ta que le vie qui est devenue levine. Pays, le vime kuma levine. C'est vraiment malheureux. Donc comme je disais, c'est sans précédent. Les homosexuels. Les Illuminati. Tous les grands démons du monde. Sont entrés maintenant à la maison blanche. Comme je vous disais que Trump est mauvais. Mais pas ce niveau-là. Pas ce niveau-là. Et comme on disait, ça va aller de mal. Hein? Maintenant, je voudrais un peu parler sur quelque chose en rapport avec la septième vision. Mais je vais mettre une connexion entre la troisième vision et la septième vision. Il y a sept visions. Qui peut me dire la première? C'est quoi la première vision? L'église de l'Ifoko. De Bonda l'Ifoko. La première vision, c'est quoi? Seigneur Dieu. J'ai prêché ça ici, j'avais. Bon, je reprends. Moi, faut tout qu'il a. Première vision. Mais je sais, tu as un cahier. Tu écris. Genasunika. Il ne faut pas que ce soit un cahier pour nous faire plaisir. Première vision. Il y aura un Italien du nom de Mussolini. Mussolini. Un dictateur. Dictateur. Qui va aller faire la guerre en Éthiopie. Et quand il va arriver là-bas, il sera battu en Éthiopie.
Et sa fin sera mystérieuse. Première vision. Branham l'a dit. Branham et les gens l'ont combattu. Deuxième vision. Un Autrichien. Autrichien. Du nom d'Adolf Hitler. Adolf Hitler. C'est celui-là qui vient et qui va commencer à créer donc un bouleversement mondial. Et va créer la guerre mondiale. Et après, il y aura une ligne qu'on appelle la ligne de Marigot. Les Américains seront là-bas. Et après, ils vont vaincre. Et cet Autrichien aura aussi une mort mystérieuse. Deuxième vision. Et la troisième vision. C'est l'ordre mondial de la politique mondiale avec les trois ismes. Il y aura le nazisme, il y aura le fascisme et il y aura le communisme. Mais les deux autres ismes vont être engloutis au profit. Je reprends. Quelle est la première vision? Hein? Comme je l'ai dit, maintenant avalez ça bien. La deuxième. Vous êtes fort, vous bloquez, vous n'écrivez pas, c'est bon. Hein? Ok. Troisième, la politique mondiale. Nous aurons des ismes, fascisme. Quoi encore? Nazisme. Quoi encore? Communisme. Mais les deux autres ismes vont disparaître au profit du troisième isme. C'est-à-dire le communisme. Ce communisme va avaler les deux autres ismes. Quatrième, progrès mondial de la science. Au point qu'ils ont fait des voitures sous forme de l'œuf. Cinquième, la moralité de la femme. Elle a eu le droit de vote. Et il va y arriver un temps où elle va même marcher nue. Donc elle va vouloir être comme un homme et dépasser même être comme un homme. Et la démoralisation. Donc elle sera là. L'immoralité. La femme va marcher nue. Sixième vision. C'est laquelle? Ok. Et la septième, c'est le bombardement des États-Unis. Mais je voudrais vous faire voir. J'étais à l'hôpital, on m'a interdit de crier. Moi, je parle calmement. On a retrouvé que j'écris beaucoup. On a trouvé même que ma tension est montée. Okay. Mais servons le Seigneur comme ça. Il y a eu trois ismes. Nazisme. Fascisme. Et puis quoi? Communisme. Les deux autres ismes sont avalés par le communisme. Prenons un peu un parallélisme. Nous avons ici Moïse. Moïse se présente devant Pharaon. Et devant Pharaon, il avait un isme. Il avait une verge. Il a jeté sa verge. C'est devenu serpent. Il y a eu deux autres personnes. C'est-à-dire Jeannès et Jambres qui ont jeté aussi leur serpent. Mais ce qui est bien ici, le serpent de Moïse a avalé le serpent de Jeannès et le serpent de Jambres. Et Dieu dit,
tire-les par la queue. Et quand il tient par la queue, cela redevient de nouveau une verge. Et pas n'importe quelle verge. La verge devient un bâton de jugement. Parce que c'est avec cette verge que Dieu disait soulevez. Il y a des fléaux qui arrivent. Soulevez. Même quand l'eau devait se bouger, il fallait qu'il frappe seulement la verge. Donc avec la verge, c'était maintenant un instrument de jugement. Alors je parle ici de communisme. Communisme comme le serpent de Moïse. Il avale le communisme, il avale le nazisme, il avale le fascisme. Dieu, Zambi. Parce que dans la troisième vision, permettez-moi de lire frère Branham. Même dans les calmes, suivez-moi très très bien. Écoutez un peu ce que frère Branham dit. L'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 44. Et en 1933 et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme. J'ai noté cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale, et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l'Éthiopie et prendrait celle-ci, mais qu'il aurait une fin ignominieuse, et que le troïsme, nazisme, fascisme, et communisme, se fondraient. Alors tous dans le communisme. Combien ici s'en souviennent? Lorsque je vous avais parlé debout et avais répété comme cela, entre parenthèses, observez la Russie. Parce que quand on parle du communisme, on ne parle pas du Congo. Il y a le propriétaire de ce, de ce système, de ce régime politique. C'est la Russie, qui détient la politique du communisme. D'ailleurs, celui qui a écrit tout ce concernant le communisme, Karl Marx, c'était un Russe. Il y a vendeur russe. Donc, la Russie, quand il avale, ou le communisme, quand il avale le 2, Dieu attire notre attention. Il dit maintenant, faites attention. Observez la Russie. En d'autres termes, observez le roi du Nord. Je vais lire frère Branham. Le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. Vers la fin de la citation, il dit, la Bible le dit. Certainement, Dieu utilise le communisme. Il l'utilisera. Et le communisme, détruira le tout. Selon les Écritures. Et nous en sommes en ce jour là. Qu'est-ce qui va détruire le monde? Le communisme. Entre parenthèses, en parlant du roi du Nord. Peut-être qu'on enseignera ça plus tard. Qu'est-ce que le roi du Nord a fait? Apocalypse 16, verset 12. On dit qu'une ville était en paix. Mais le roi du Nord venait avec lui Gog
Et Magog. Non, Magog. Ils sont venus pour livrer la dernière bataille. Que nous allons appeler la bataille d'Armageddon. C'est le roi du Nord. Or, le roi du Nord, c'est la Russie. Et Branham dit Gog, Gog et Magog, non, Magog, ce sont tous les pays. Branham dit la Russie, que quelqu'un répète, la Russie, la Russie est un instrument entre les mains de Dieu. Pourquoi c'est un instrument entre les mains de Dieu? Écoutez la raison. Le baptême du Saint-Esprit 37, là où j'avais lu. Quand le tout commence à faire naufrage, quand la semence de juste à côté s'amenuit de plus en plus et que les méchants continuent de mieux en mieux, très religieux, se contentant de devenir méchant, et de plus en plus méchant, il ne reste plus rien qu'à détruire l'ensemble, comme il a fait la destruction du monde entier. De chaque pensée des hommes est continuellement remplie de péchés. Tout ce à quoi pensent les hommes aujourd'hui, c'est une bouteille de whisky, ou à une femme, ou à une sortie pour courir. Il ne peut pas rester fidèle à leur femme. Le garçon ne peut pas rester fidèle aux filles. Les filles ne peuvent pas rester fidèles aux garçons. Eh bien, ils sont arrivés à un point où le démon les tient tellement liés, possédés de mauvais esprits, et que tout est devenu une conglomération de péchés. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un tel jour. Et c'est pourquoi la Russie est parfaitement l'instrument dans les mains de Dieu pour tout balayer maintenant. Donc Dieu utilise la Russie à cause de péchés qui se met et se commet aux États-Unis. Si c'est un instrument entre les mains de Dieu, c'est pour châtier. Et des choses telles que nous voyons là. Frère, Dieu ne peut pas laisser ça. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a déjà des choses qui annoncent les jugements. Comment dans une armée, vous pouvez demander aux homosexuels d'être là à l'intérieur? Comment? Et Dieu au ciel va voir le président des États-Unis, celle qui doit venir donner le compte rendu du gouvernement, un homosexuel. Homosexuel. Et lui au ciel, il est calme. Non, il a un instrument. Et l'instrument approprié pour finir avec ça, c'est la Russie. Parce que personne ne peut les arrêter. Personne. Frère, quand j'ai lu le prophète aujourd'hui, j'ai pleuré dans ma chambre de voir la distraction qu'il y a. Attendez que je vous lise. Frère Branham dit ceci. Oh Dieu, aide mon église qu'il comprenne ces choses. Il dit ceci. Nous voudrions voir Jésus, paragraphe 49. Il dit, nous sommes au temps de la fin. Mon frère,
Nous sommes au temps de la fin. Seul, pas moi. Je n'ai rien à faire avec cela. Je suis juste votre frère. Je n'ai rien à faire avec cela. Je suis juste votre frère et votre serviteur. Ou le concitoyen du royaume. Mais Christ demeure le même. Et il est temps que ces choses se produisent. Le cœur défaille de peur. Le Spoutnik dans le ciel. Un verre de volcan. De trop. Le vodka. Le vodka, c'est le whisky russe. Vodka, c'est le whisky russe. Frère Benham dit juste un verre de vodka. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui va descendre? Le Spoutnik. Spoutnik. Frère. Bangui. Mon Dieu. Zambia Mono. Est-ce que vous savez que la Russie était le premier pays qui avait trouvé le vaccin contre le Covid? Vous le savez? Mais les Européens n'ont pas voulu de leur vaccin. Parce que les Européens sont là avec un vaccin à Baou. Est-ce que vous savez comment s'appelle le vaccin des Russes? Spoutnik. Spoutnik. Comment cela arrive seulement en ce temps? Et comment c'est le vaccin que tout le monde veut? Donc il y a un Spoutnik spirituel qui arrive. Pour que les vrais croyants n'oublient pas ce qui a été dit. Écoutez un peu ce que Branham dit. Les signes du temps. Kidimbu ya tangu. Paragraphe 84. Makumi. Kadi Billy Graham. Yeke tuwa Billy Graham. Au cours de ces quelques dernières semaines. Na katikanda ba semaine me kuzaluta. Il n'y a rien qui peut nous garder d'un satellite de la Russie. Ya nakimi na bumba betu na satellite de Russie. Ici le matin, rien du tout. Atambo suka motatakima. Ils sont de loin en avance sur nous. Bakentama na betu na zula beto. Au point que c'est une honte. Na kisika motete que le Sony. La Russie est en avance de tout le monde. La Russie qu'elle m'entoie là-bas où nous sommes. Donc je veux que quelqu'un qui est dans cette église croie Branham en disant Amen. La Russie est en avance. Qu'elle m'entoie là. Et ils viennent de le prouver. Ils font sortir un vaccin que tout le monde n'avait aucune idée. Lisons encore Branham. Je sais. Moussaba. Prêchez le 14, 460, paragraphe 65. 14 avril 65. La Russie. A découvert une nouvelle arme maintenant. Quand vous en avez tous entendu parler à la radio, ils n'ont pas besoin de venir ici pour faire sauter ça avec une bombe. Ils peuvent simplement amener une petite chose ici et infiltrer leurs espions et lancer un petit truc sur chaque nation et tout le monde sera paralysé pendant 24 heures. Frère Benham parle comment il peut prendre le système des ordinateurs. Mettez-nous un peu ce que le président de la Russie disait. En 2019. C'est pas ça. Mettez un peu ce qu'il disait. Ça y est là, voilà. Que Dieu bénisse le frère Jéhu qui m'a envoyé ça. Mettez ça. Ouvrez ça, s'il vous plaît. Personne au monde ne dispose de telles armes, a affirmé à plusieurs reprises Vladimir Poutine dans son discours choc devant le Conseil de la Fédération qui réunit les deux chambres du Parlement et tous les politiciens qui comptent en Russie. À l'aide de vidéos et de films d'animation, il a montré aux Russes et au monde ce sur quoi les chercheurs militaires travaillent ici depuis une quinzaine d'années. Toute une nouvelle génération d'armes stratégiques sophistiquées prêtes à être fabriquées ou déjà en production. Et voici Sarmat,
Un missile balistique intercontinental à tête multiple, capable de défier les systèmes de détection. Et puis des missiles de croisière supersoniques, certains à propulsion nucléaire, dont le rayon d'action est incroyablement grand, pratiquement indétectable. Ou encore un drone sous-marin 100 fois plus petit qu'un submersible qui peut se déplacer à des profondeurs records et transporter une charge nucléaire. Personne ne voulait nous écouter quand nous disions « Il ne faut pas changer les équilibres stratégiques », a dit le président russe. Maintenant, vous feriez mieux d'écouter. La surprise, elle est venue des armes hypersoniques. On sait que les États-Unis, les Chinois, les Russes travaillent sur des armes hypersoniques, mais personne n'imaginait, en tout cas pas moi, que les Russes étaient aussi avancés et qu'en fait, ils étaient sur le point de se doter, de mettre ces armes en dotation. Pour cet expert militaire, Vladimir Poutine a lâché une véritable bombe en suggérant qu'une bonne partie de la défense occidentale est obsolète face à la Russie. La donnée du bouclier antimissile est aujourd'hui injustifiable. Si vous voulez, à quoi ça sert d'investir autant d'argent, de mettre des radars, des équipements comme ça en Pologne, dans les pays de l'Est, puisque de toute manière, si jamais il y a un conflit nucléaire, la Russie percera toutes les défenses américaines. Vladimir Poutine a répété, la Russie n'utilisera ses armes que si son territoire est attaqué ou si un de ses alliés est visé par des armes de destruction massive. Mais plus question de prendre à la légère les capacités stratégiques de Moscou, dit le maître du Kremlin, qui s'apprête à rester un autre 6 ans à la tête du pays. Attention, la Russie de Vladimir Poutine pourrait s'avérer être un ennemi redoutable. Ici Alexandra Chatska, Radio-Canada, Moscou. Ça, c'est l'année passée. Il y en a un fou, la Meluta. Il dit, quand nous leur parlons, ils ne nous écoutent pas. Mais il y a eu quelqu'un qui a vu ça avant. Oh, donnez-moi un amen. Oh, ben, le Père Samoun, amen. Frère Branham me dit, les Russes disent qu'ils ont envoyé un homme à la lune. Ils sont les premiers, c'est faux. C'est l'Église qui est le premier. Nous avons envoyé un homme. Il a dit de la même manière, vous l'avez vu s'en aller au ciel. Et il partira. Il est parti. Un homme. Une nuée. Voilà notre astronaute. Mais à part nous, personne. Frère, quand le président de la Russie dit que nous avons une avance sur vous, personne au monde ne croit. Il a dit que tout le monde est entré, frère Branham dit. Je sais, paragraphe 65. La Russie a découvert une nouvelle arme maintenant, comme vous en avez tous entendu parler. La Russie a découvert une nouvelle arme. Ils n'ont pas besoin de venir ici. Mon Dieu. Je vais vous lire quelques citations de Frère Branham. Frère Branham, un vrai prophète. Tout cela, ça nous fait du bien. Hein? C'est toujours la citation que nous avions lue, les signes du temps. Paragraphe 85, 85.
Quand disent les véritables hommes de science, je les ai vus être interviewés l'autre jour, on leur a demandé, devrions-nous alerter les gens ou devrions-nous garder cela pour nous-mêmes? Que voulez-vous dire à ce sujet? Il a répondu, il n'y a rien qui peut les empêcher. Ils ne nous révéleront pas tous leurs secrets. Mais une nuit, ce satellite qui se trouve là-haut pourrait aller. Qu'est-ce qui les empêcherait d'en lancer environ 6 là? Et là où ce soir, et que ça vienne directement au-dessus des États-Unis. Et de dire avec ses armes à hydrogène. Et nous ne saurons pas aller vers eux. Ainsi, ils diront, bon, rendez-vous, sinon vous serez réduits ensemble. Qu'est-ce qui arriverait? Cela peut arriver avant matin. Cela ne serait pas en désaccord avec la Bible. Cela accomplirait la Bible. Les nations sont prêtes pour cela. Le jour où Vladimir Poutine a dit au monde que nous avons des générations d'armes que vous n'avez pas, les Américains, tout le monde a dit que c'était du mensonge. Peux-tu balancer un peu la dernière arme qu'ils ont balancée il y a 2 mois? Ce week-end, la Russie a lancé avec succès son nouveau missile hypersonique Kinzhal. Le ministère de la Défense a publié cette vidéo montrant un gros missile lancé à mi-vol par un jet. Ce missile fait partie du projet militaire de Vladimir Poutine qui a dévoilé une série de nouvelles armes début mars dans l'un de ses discours les plus belliqueux depuis des années. Donc dans le monde, à l'heure où nous parlons, il n'y a que la Russie seule qui détient l'arme hypersonique. Ça fait 8 fois la vitesse du son. Non, c'est comme si vous ne comprenez pas. C'est-à-dire une arme doit être détectée par des radars à une certaine vitesse. Mais ces armes-là, c'est indétectable. Il a 7 fois la vitesse du son. Ça, il y a de cela 2 mois. Qu'ils ont montré au monde. Et le monde, quand ils parlaient là, on dirait, bon, Frère Branham le dit, il dit, vous les prenez pour des soulards. Des gens qui boivent de vodka. Mais ils sont plus intelligents que les États-Unis. Ils sont inspirés par Dieu. Parce que c'est un instrument entre les mains de Dieu. L'arme qu'ils détiennent là, l'arme. Vous pouvez mettre toutes vos batteries anti-aériennes. Vous ne le verrez pas. Et puis il tire ça dans un avion. Il monte, quelque part. Il lâche ça, l'avion repart. Et la tête de cette arme est nucléaire. C'est une bombe. Il n'y a que bombe nucléaire. On dit que ça peut parcourir la Russie, les États-Unis, et la Russie en 2 heures. Le truc qui peut faire 8 heures d'avion. Quand ils les font sortir tant. Ces gens ici, Baba Touyaï, la pire que ça, Akunuti na yaou. Vous avez un président qui ne met que des homosexuels, ben afou la yakina tout la kak passe homosexuel, qui met les ingrédients en place, kena tout dans sa lunion sur la kisika, qui amènera Dieu à se fâcher, kena tanzambi na kutasuka. Oui frère, kena kapanki.
Parce que la Russie, la Russie est une arme pour punir le péché dans les États-Unis. Ok, quelqu'un me donne un amen. Amen. Oh là là. L'écriture sur la muraille. Paragraphe 45. Il y avait une nation appelée Médo-Perse. Ils avaient aussi une œuvre scientifique. En fait, les Médo-Perse sont des Indiens. Des Hindous. En Inde, comme notre frère venait de le dire. Ils ont fini par être des Hindous de l'Inde. Les Médo-Perse. Et ils ont trouvé un procédé scientifique qui leur permettait de contourner le fleuve Euphrate. Ils n'ont pas pu percer le mur. Mais ils ont contourné le fleuve. Et ils sont passés en dessous des portes. La science est à l'œuvre quelque part. C'était alors une grande nation, un pied païenne. Et Dieu a inscrit un signe sur le mur pour leur faire savoir que leur jour était terminé. Et Dieu a inscrit un signe sur notre mur et notre grande partie de rock'n'roll. Et il y a un Spoutnik qui survole le ciel pour mettre fin aux parties de rock'n'roll. Rock'n'roll, c'est en général. Mais d'une manière détaillée, le rock'n'roll, c'est le péché. C'est la mauvaise vie des États-Unis. Et pour mettre. C'est un peu comme. L'écriture sur la muraille. Le roi Nabucodonosor est sorti. C'était pendant une fête. Pas une fête normale. Dieu n'allait pas se fâcher. S'ils étaient en train de chanter pour eux, de danser, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est quand il est monté plus haut, il a fait appel aux ustensiles du temple. Les choses sacrées ont été chosifiées. Ont perdu leur valeur. La coupe du temple. On met l'alcool. On met tout l'alcool. Les coupes qui sont derrière la gloire de la Shekinah. On a mis l'alcool. Dieu ne pouvait pas laisser ça. C'est comme ça qu'il est descendu. Quand ils étaient dans leur bateau qu'on appelle Titanic. Ils étaient dans des fêtes. Comme frère Branham l'a dit. Où Dieu n'avait pas de place. Le mal était dans ce bateau. Quand l'ingénieur s'est mis debout, il a dit, le bateau que je viens de fabriquer, même Dieu ne peut pas couler ça. Cela était suffisant pour que Dieu descende. Il dit, tu dis que je ne peux pas le couler. Danser. Rock'n'roll, Ndombolo. Ça dansait. Ça dansait. Il dit, comment arrêter ça? Là-bas chez Nabucodonosor, il y a eu une Russie. C'est la main. Dans le Titanic, il y a eu une Russie. C'est l'iceberg. L'instrument de Dieu pour mettre fin à leur péché. Et aujourd'hui, qui peut arrêter les États-Unis? Qui? Je vous dis, ça va aller, déjà je vous avais dit. Cette année est une mauvaise année. Je vous avais dit, nous irons de mal en pire. Mais qui peut arrêter ça? Frère,
Les Américains, ils ont fait leur vaccin. Les Américains, mais ils disent que vaccin là-bas où? Pfizer ou quoi là? Pfizer, tu y es. Mais il faut garder ça dans le froid. Mais le Bumba qui s'y camatiti. Moins 40 degrés, sinon ça va s'abîmer. Moins 40 degrés, quand il y a que béba. Nous ici là, comment ça va arriver? Beta moutine, y a que kumawa. On n'a pas des trucs de 40 degrés. Mais tu veux là qui m'a 40 degrés? Les Russes, ils avaient déjà trouvé le produit à longtemps. Bah, Russes, soit manganga inatama. Mais quand si les Américains, tout le monde. Bah, les Américains font mieux. Oh. Oh. Ne suivez pas ces gens-là. Le rendez-vous va pas tuer. Or, le vaccin russe qu'on appelle le Spoutnik. Vaccin bah, russe, c'est beaucoup la Spoutnik. C'est vraiment ce qu'il faut pour l'Afrique. Il y a des mêmes longues qui n'habitent en Afrique. Il n'y a pas de truc au nom 40 moins 40 degrés. Il y a plus de mambo, on m'a dit dimanche que c'est fiable à 91%. Il y a ta coulonge à 91%. Et ça s'appelle Spoutnik. Kumba, il y a que le Spoutnik. C'est aujourd'hui là, c'est hier. Ni Mazono. Hier. Mazono. Que l'Union européenne a enfin accepté. L'Union européenne n'a mansuki n'a me kondima. Que vraiment les Russes sont forts. Dites-le que les Russes battent Angolo. Ils ont quand même un vaccin. Bakena vaccin. Je crois que nous on peut prendre ça. Bon bas tu peux te mettre la bakayao. Ils sont surpris. Les Français ils ont essayé zéro. Peba tu vas me kakata kima. Tous les restes là ils essayent. Rien. Des armes comme ça frère. Tu as déjà vu une arme qui cherche quelqu'un? C'est lui là, c'est pas lui. Oh, c'est pas lui. Oh. Tête chercheuse. Tête chercheuse. Il touche à ça. Chose que les autres n'ont jamais. Qui me fait que mes oies fait. Parce que faire Samo, Kisengo, missile, balistique, supersonique, la seule nation ici Mossi qui détient cette technologie. Que namaye la nyosoina. C'est pourquoi il leur a dit. Nien me tubi là-bas où? Que le monde qui vient là. Yinza ke na kuisa yai. Vous devez faire attention de parler en mal contre la Russie. Ben ne falasa la kiba kozola yimbi na Russie. Vous ne nous croyez pas quand nous vous disions. Ben te no kuiki la ben te ben tabe tana tubi là-beno. Que nous sommes en avance. Ben te kilman toa là-beno. Vous ne croyez pas. Ben vada kuiki lave. Mais nous allons vous le prouver. Parce que te la kisa beno yau. Moi, ça me réconforte. Parce qu'on nous dit, la Russie sera l'instrument pour amener le chaos. Oh, donnez-moi un amen. Tiens un peu là. La Russie. Ça, c'est l'instrument des Russes. Il y a que le qui salue les Russes. Ils ont aussi le marteau, je crois. Bakepe n'a dit que marteau, mon baza. Je ne sais pas si je le fais bien, mais comprenez. Mon baza, il y a quand même dit qu'il y a un mot qui casse bien le bakula. C'est le signe des communistes. Il y a que qui timbe le communisme. L'instrument pour arracher. Qui salue, ça m'a cuit à Zenga. Le blé. Blé. Et le marteau. N'a dit qu'on gâte au marteau. Pour forger le fer. Ça me l'a cousé quand tu boules la kisengo. Alors regardez, frère Branham dit. Vous n'avez pas de Branham et tout bas. Que le bas n'a ici de la statue de Nabucodonosor. Il y a qui t'es qui est Nabucodonosor. C'est l'argile. Il y a que des pemba de argile. Et le fer. N'a kisengo. I'm the knower. I don't know. C'est le fer. Il y a que kisengo. Khrouchtchev. C'est l'argile. Il y a quel impemba. Donc le fer qu'on doit donner la forme. C'est les États-Unis. Il y a que États-Unis. Et les champs de blé qu'on doit couper. C'est Jérusalem. Il y a que Jérusalem. C'est pas frère Branham dit. Dieu utilisera la Russie. Ça dit la Russie. Pour bombarder. Un, les États-Unis. Il y a que États-Unis. Deux. Aux portes de Jérusalem. Ils vont créer la troisième guerre mondiale. Et de cette guerre, personne ne survivra. Mais ce qui fait ma joie, c'est qu'avant cela, nous dirons bye bye. Combien de temps nous reste?
Et puis j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il n'a pas dit observez l'URSS. Non. Observez la Russie. La Russie. Montre-nous un peu le dernier film là. Et là, qui savait te filmer, ma soeur? C'est fini? Yemeni. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Ah, il fait souffrir les Européens. Nathalie, ça me passe pas les Européens. Ce week-end, la Russie a lancé avec succès son nouveau missile hypersonique Kinzhal. Le ministère de la Défense a publié. Est-ce que vous avez entendu? Lancé à mi-vol par un jet. Arrête, juste. Ce missile. Il y a ce qu'on appelle supersonique. Il va que boka supersonique. Et hypersonique. Pena hypersonique. Hypersonique est plus que le supersonique. Hypersonique, mais l'outil d'Angola n'a supersonique. Hyperson. Hyperson. Dépassant le son. Que l'outil là kandinga. Tu vois, là où tu es là. Mais attends, c'est quelqu'un qui est là. Quand je crie, tu écoutes. C'est ça la vitesse du son. C'est au moins 9980 km par heure. Donc on peut arriver dans les 1000 et quelques kilomètres par heure. 1030 et quelque chose. Ça c'est la vitesse du son. Maintenant quand un avion dépasse 1000 et quelques, là, il a dépassé le son. Dans la vitesse du son, lui, il a dépassé. Mais cette arme ici, il dépasse le son 7 fois. Donc, ce n'est pas un super son. Il est super son. Il est hyper son. Il est hyper son. Et les Américains dormaient. Bas Américains vendaient la pongi. Sur Donald Trump. America first, we are great. Les Russes sont calmes. Par Russes qui a coutu na ba kena tala. Parlez. Benozons abeno. On va vous démontrer que vous n'êtes rien. Betie la kisa beno ti beni kabal tampamba. Et aujourd'hui, quand ils démontrent la chose, comme dit le spécialiste. Moti na mimi sana na yau. Surtout moi, en tant que spécialiste, je ne voyais même pas quand ils venaient. Mingi muno moti sa mouva. Continue. Continue. Gros missile lancé à mi-vol par un jet. Cette vidéo montrant un gros missile lancé à mi-vol par un jet. Ce missile fait partie du projet militaire de Vladimir Poutine qui a dévoilé une série de nouvelles armes début mars dans l'un de ses discours les plus belliqueux depuis des années. Le président russe s'était vanté de pouvoir frapper presque n'importe quel endroit dans le monde sans être intercepté. La Russie dit développer de nouvelles armes pour répondre à l'arsenal de l'OTAN déployé à ses frontières. Vladimir Poutine entend rappeler sa puissance une semaine avant l'élection présidentielle qu'il devrait gagner confortablement.
talani ne kulusu na yesu mobekesi kuna kufela ki batonyo so awase e bale nangolo be e bimi bona biso Yesu o kufela ki nangomba na ngomba na kologu nangomba na kologu nangomba na kologu kolo ye akufela kinga ngombana ngomba na gologu oh Jésus bolingo na yo Yesu ekamwi singa ilelo talanga nangumba mi penena ekulusu nyosona pesina yo na yomo kona jali Yesu Yesu okufe laki nangumba na Ngomba na Golgotha Nangomba na Golgotha Nangomba na Golgotha Kolo Yesu kolo Yesu akufe lakinga Ngomba na Ngomba na golo yemba na ngomba na ngomba na golo kota na golo kota na golo kota kolo ye akufe Nakita ngomba na ngomba na golo go Kokende likolo oh basse ngakamo solote basse ngakama yelete eh basse ngiseko dimela mo pembo alikolo Mopembo nalikolo Ejali katina ekulusu Yemba mopembo 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 nalikolo Ejali katina ekulusu Kolo ake Kendeko Liboso Tokene kopema Be kopongi
Sesika Abiso Tokende Mopembo Yemba Mopembo Mopembo Nalibo Mopembo Mopembo Nalibo Dejali Dejali Katina Yemba Ndeko Mopembo 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 Nalibo Dejali Dejali Katina Rouge gorge, mon bembo, mon bembo, nalibo, mon bembo, mon bembo, nalibo. Et j'ali, katina, encore une fois, mon bembo, mon bembo, nalibo, mon bembo, mon bembo, nalibo. Et j'ali, katina, ekulusu. Seigneur Dieu, comme toujours, plus nous nous avançons, nous voyons que le temps est passé. Enlève notre désordre. Enlève notre négligence. Laisse-nous être plus sérieux. Alors que le temps est en train d'avancer. Il est un espoir qui toujours soulage le cœur fatigué et lassé du chemin. Il est un repos au bout du voyage à toutes nos luttes. Il est une fin. Oh, c'est la cité du ciel. Au bonheur éternel. Ce jour où les élus content, je l'entends et ressens qu'il a terre des bonnes, mais elle a mon cœur à vide. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois un sauveur, Jésus lui-même, eu pitié de mon Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi, mon sang. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Oh, à Jésus, je m'abandonne désormais et sans. Oh, désormais, descendez. Oh, descendez.
de Branham. Désormais, toi Jésus, avec ma famille. Désormais, descendez. Oh, où sera la main puissante qui pourra descendre les fonds au marais sur cette pente où déjà je vois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, nous venons d'entendre ta parole tirant l'alarme sur ton peuple, sur tes enfants, tirant l'alarme pour que ton peuple puisse connaître les signes des temps, voir Dieu dans le temporel, dans son application spirituelle et dans son application physique. Seigneur, il est plus tard que nous le pensons. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes prédits par les prophètes. Les cœurs des hommes défaillent. Les hommes meurent comme jamais. Réveille-nous. Surtout pardonne nos manquements. Nous voulons comme Samson un nouveau commencement. Encore une fois, réponds de ton esprit et nous serons debout pour te glorifier. Garde mon frère, garde ma soeur. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis notre retour et bénis les offrandes et les dîmes. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Comme je l'ai dit, je demande seulement vos prières. Le médecin trouve que je travaille beaucoup. Et vous le savez aussi. Pendant que tout le monde se reposait pendant le confinement, moi je ne faisais que prêcher. Quand je voyage, je prêche. Le corps a besoin du repos. Donc je suis en train de faire venir un peu serviteur de Dieu qui va travailler avec le frère Pascal et les autres ici. Le pasteur Ntsimba, je crois, il va venir d'ici la fin de la semaine. Comme ça. Moi, je vais profiter un peu pour me reposer. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, je suis fatigué. N'allez pas extrapoler. Yann Mekoubo est déjà malade. Non. Il est déjà malade. Au contraire, priez pour moi. Parce que le travail, quand vous prêchez deux fois les dimanches, vous êtes là le mercredi. Peut-être pour beaucoup de gens, ils croient que je ne travaille presque pas, je ne reçois pas les gens. Demandez au huissier. Je suis ici chaque mardi. Si c'est trop petit, c'est dans des 18 ou 15 personnes. Je reçois les jeudis. Je reçois les samedis. Et parfois, je reçois lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, mardi, jeudi, vendredi, jeudi, samedi, dimanche, lomingo, de culte, bah, le sambo, le quand tu sors, il y a aussi des gens qui vous bloquent là. Y a la bande qui est là. Pasteur, je veux te voir, mais on me bloque. Tu dis au frère, avec tout le travail que je fais, laisse un peu ton pasteur en question se reposer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Allez dans vos maisons dans la paix du Seigneur. Nous allons nous retrouver le vendredi. À tous et à toutes, un grand shalom.